Rock Vacances, bienvenue dans cette rubrique. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de la Katouba, plus précisément dans la paroisse Saint-Martin. Nous sommes ici pour voir comment est-ce que les gens de cette partie passent leurs vacances. Et donc, comme vous l'avez remarqué, derrière moi, il y a des gens qui jouent au basketball. On va donc essayer de les approcher un peu pour essayer d'échanger avec eux, savoir comment est-ce qu'ils passent leurs vacances. Donc, on va les interrompre un peu. Voilà, on va les approcher. Jambouen nous dit... Oh là là, il m'a fait mal. Oh là là, il a réussi son panier. Chimoukou Mbele. Aba. Bonjour. Dis-moi, Nani. Gloire. Gloire, tu l'as foutu à Oumou, Moussel Martin, pour l'acheter sa basket. Tout se passe bien. Bien, t'es bikou bien. Donc, ouais, on a pitié à ça, quand je ne sais pas, comme tu es à. Basket ou bien tu as d'autres histoires? On a dit ça, ma joué une guine ou bien une papa basket? Mais là, tu sais, on a joué une guine. Ça, Nini, par exemple? Na match. Au revoir, ça me fait comment ça? Mien. Pour faire combien de pourcents? Mien. C'est bon, pour faire combien de pourcents? Regarde mon caméra. Mien, je il se rappelle même plus de son pourcentage. Nous poursuivons, fidèles téléspectateurs de chez vous, chez nous. On va approcher un grand monsieur qu'on a trouvé ici. Oh là là, il est vraiment grand. Je l'arrive à peine sous son épaule. Alors, salut mon grand Jambo. Dinani Nani. David. Nous te trouvons ici, mon terrain, il y a basketball. Où on a fini? Moi, je vais m'amuser avec le ballon. Car les vacances. Vacances pas le Nakuya, c'est bon, ok. Nachito comme liberté. Lorsque tu vois que ma c'est la peine de partir chaque jour à l'école. Alors, vacances ni liberté, tu n'as c'est pourquoi tu n'as pas partenaire à basket. Tu as quoi j'amuser pour Nachito, la liberté. Alors, tout se passe bien, hein? Oui, se passe bien, très très cool. Donc, ouais, les baskets, mon basket du matin au soir. Ah non, j'ai beaucoup de travail à faire. Hein? Les baskets, c'est pour un temps seulement. Et tu fais quoi d'autre pendant cette période de vacances? Parmi le basket. Bon, je travaille, j'ai quelques travaux à faire. Comme quoi, par exemple? Bon, je fais quoi? Je vends des marchandises dans une boutique. Oh là là, ça c'est vraiment encourageant. Hein? On va approcher un autre, Yves, avec ta complicité, bien sûr. Un grand monsieur. Hein? Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Et vous? Dieu nous fait grâce. Hein? Nous retrouvons aussi ici à Saint-Martin. On aimerait savoir comment est-ce que les gens de cette partie passent leurs vacances d'après vous. Tout se passe bien ou bien ils sont occupés à faire autre chose? Non, non, quand même ici tout se passe bien. Ouais. Il y a ceux qui viennent ici pour se détendre quand même. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours les gens qui jouent au basket. Ouais. Il y a aussi même des petits qui viennent ici qui se mélangent, qui jouent au foot. Vous voyez. Ah, d'accord. Ils se convertissent, donc convertissent ces terrains de basket comme étant les terrains de foot. Okay. Donc il y a plein de gens quand même qui se détendent comme ça et qui se distraient comme ça aussi. Donc okay. La vacance se passe bien ici à la Katouba. Okay. Il y a beaucoup de jeunes quand même qui viennent ici, qui jouent, qui se distraient jusqu'à ce que le soir, ils partent à la maison et ils se reposent aussi comme ça. Et les pleins de jeunes, il y en a toujours ou bien il n'y en a plus? Non, quand même. Bon, au début là, il y avait plein de gens, mais... Je parle du plein des jeux, où les gens viennent pour danser et tout. Non. Ici, je pense que il n'y a pas encore les gens qui viennent pour danser, mais souvent c'est son seul. Okay. Ouais, souvent c'est chaque week-end, les gens se baladent ou quoi. Ouais. Donc d'après vous, tout se passe bien ici, les gens s'amusent? Ouais, comme dans, tout se passe bien. Tout se passe bien. Dans la période des vacances, vraiment tout se passe bien. Les gens se débrouillent, il y a des baskets. Tout le monde se débrouille quand même, ça va. Et vous, qu'est-ce qui vous occupe? Ce qui s'occupe, il n'y a que la basket. Seulement le basketball? Ouais. Et il n'y a pas autre chose? Il n'y a pas autre chose quand même. La basket, je pense que c'est un terrain de basket quand même. On se débrouille toujours dans la basket. Vous n'êtes pas non plus obligé de rester seulement ici, hein? Mais ce n'est pas seulement un terrain de basket, parce que souvent le matin, tu peux voir aussi les boursiers qui sont ici. Okay. Le soir, les karatékas. Bon, c'est un terrain quand même tout le monde. Hein. Tout le monde qui vient, non, c'est vaste quand même. Tout le monde qui vient ici, bon, tout le monde qui vient ici pour jouer, pour se détendre avec leur métier quand même. Donc, c'est un terrain qui sert à tout le monde. Donc, Katouba, grand pays, l'ambiance est totale pendant cette période de vacances. On va essayer de faire parler à notre grand monsieur. Bonjour, papa. Bonjour. On vous appelle comment? Moi, c'est Yannick. Dites-nous, comment est l'ambiance ici à la Katouba pendant cette période de vacances? Tout à fait normal, l'ambiance est cool.
pas à commenter, l'ambiance est cool. Il n'y a pas à dire, comme on a toujours dit, voilà. Et comme vous l'avez remarqué, fidèles téléspectateurs, les vacances se passent très bien ici à la Katouba. Jeff, tu n'as recouté où mon chant de bois qu'on a fini? On a rosé comme moi, mon chant de bois. On a rosé comme maï. Au fangap. 64. Bravo. Au Sud-Land, hein? On est en quatrième. Troisième secondaire. Au troisième CO, hein? On t'a fait en option 4. Mécanique générale. Mécanique générale. Oh là là, c'est vraiment intéressant, hein? Qu'est-ce que tu vas dire à toutes ces personnes qui te suivent sur HK6 par rapport à la période de vacances? Utapenda ufanye kwa mimi ile itakufurahisha sana hapa kumwanga mai mchande bwa. Ni waite ta kubukiro wa kwa ndogo na mimi kalaka. Uko kiro? Wewe. Ah okay. Ça va? Tunafurahi sana. Et puis le tout dernier, bonjour. Bonjour. Jina ni nani? Grace. Grace ya tunakuta na wewe huko mchande bwa kuna fanya nini? Ndiranza toka na rafiki yangu cheza mati. Kucheza mati, ah? Mnaisha mati? Eh. Muriwina. Hapana Artuini. Oh la la, bina pitikana me mpaka vile. Eh? Machi ngine ni shukani. Ni mangaribi. Mangaribi, hein? J'espère que mutawina. Eh? Utaambia kwa nini papa na mama wenu lebe wana kufuata? Utapenda ufanye kwa nini pendant une période ya vacances? Ni. Nekala kiu. Nekala. OK, donc si je comprends bien, moi vote mkuba kiu. Ça va, merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, et ça sera tout pour le chez vous, chez nous de ce jour sur HK6. Nous avons été dans le champ de bois de la commune de la Katouba. Merci.